ils ont l'air un peu débilos. Ceux-là, là, je sais pas trop ce que c'est. Et un Iku, enfin 4. Super vache. Super. Ouais, il m'a beaucoup impressionné. Il a fait du pressage. Il aime beaucoup les chevaux, les grands chevaux. Il ressemble un petit peu à un cheval, mais je pense que si tu ressembles à ton équipement sportif, en fait, tu es un peu fort. Et du coup, pour lui, c'est vraiment. Enfin, on voit lui ce qu'il fait, tu vois, avec son cheval. Comme il arrive à galoper comme ça, à choper avec, c'est une inspiration. Et je me dis que si son cheval il arrive à faire ça, moi, les skis, ils arrivent aussi à faire des petits sports. En slopestyle, c'était en 2014, à Sochi. Non, pas du tout. J'ai essayé de l'apprendre en allant à chercher ma médaille olympique. Je savais qu'il y aurait une nationale, je ne la connaissais pas. J'ai essayé d'apprendre un peu plus totalement. Ça n'a pas marché, j'ai un peu plus à faire. Dernier soir, en fait je suis sortie en soirée, puis Mathilde elle était un petit peu fâchée avec moi parce que ça m'arrive en fait assez souvent de rater le bus, le train, l'avion, je sais pas quoi, les derniers jours parce que je pars en soirée. Puis, je sais pas pourquoi, mais du coup ils aiment pas ça. Pourtant c'est pas trop leur problème, c'est mignon. Ouais, Mathilde elle me voit partir, puis elle me dit Sarah, non, faut que tu rentres pas ce soir. Et puis que je dois faire tout ça, que je dois travailler tout ça, que je vais me lancer dans une poubelle, quoi. Je connais si, t'inquiète pas, je vais rentrer, je vais faire mon sac, je vais pas tout. Et puis en fait, je crois que j'avais trouvé un bus, j'étais partie en soirée, puis j'ai vraiment eu d'attente parce que je vais prendre le bus directement depuis ma soirée pour qu'elle aille encore. Et ouais, j'étais pas trop contente avec ma mère. Et je crois qu'elle m'a pas. La petite heure. C'est pas belle. C'est comme ça, non? Ça fait. Tout ça, ça doit être noir. C'est noir. Je crois que c'est noir. Je crois que c'est comme ça. Moi, mon premier vrai souvenir, on va dire, qui a un peu d'importance, c'était les chiottes 2012 à Londres. J'avais bossé là-bas dans un parking à Londres. Quoi. J'ai rencontré la maman de Andy Murray. Elle est venue me demander où elle peut se garer. En plus, il venait de battre Pierre en finale. Et j'ai assez hésité à lui dire Tell Murray, well done. Même si elle s'appelle Murray, donc ouais, elle était là.